On va partir sur un premier exo. Vraiment, c'est un exo de base pour l'échauffement, pour les passeurs. Déjà important, les mains. Comme un triangle un petit peu, pour la position des mains sur la balle. Et on va partir sur un premier exo très très facile, où je ne vais même pas sauter. C'est juste, je vais faire des passes de précision dans les cibles en 4 et en 2. Cet exo, il est important pour justement trouver des sensations avec la balle tout de suite et justement avoir un feeling avec le ballon et justement une qualité de passe, même si c'est sans sauter, c'est déjà s'échauffer les doigts et déjà avoir une certaine précision. Cet exo, il est bien à faire, après un petit stretching, un peu de course, etc. Et franchement, en 5-6 minutes juste de passe, eh ben, ça te permet d'être déjà bien, bien échauffé, de trouver un bon rythme de passe et d'en faire beaucoup surtout.